Charlet Billot, fondatrice de Cadalis, Vanessa Bolosier, food entrepreneuse et auteure culinaire, Maïre Rosa, créatrice de Relais Shop installée aux USA, et Ingrid Chen, directrice de Shopil. Ces jeunes femmes ont créé leur propre entreprise et elles étaient toutes les quatre en Guadeloupe le vendredi 27 avril dernier dans le cadre de la première édition de l'Entrepreneur Day. On s'est toutes battues pour notre société. La Guadeloupe et la Martinique nous ont portées dans nos différents projets. C'est le point commun entre nos quatre projets. Et on a compris une chose, c'est en partageant nos expériences qu'on pouvait toutes continuer à grandir. Dans le cadre de mon entreprise, j'ai fait une levée de fonds, deux campagnes de crowdfunding et j'ai aussi fait des dossiers de subvention auprès de BPI France. Donc du coup, on m'a demandé de partager mon expérience sur ces thèmes-là parce que de toute façon, quand on crée une entreprise, on a besoin de financement et j'ai essayé de leur répondre à toutes leurs questions par rapport à ce que j'avais vécu quand j'ai monté Shopil. L'Entrepreneur Day, c'est aussi la possibilité de rencontrer d'autres femmes, toutes étant à des postes professionnels en rapport avec la gestion d'entreprise. Nous nous engageons auprès des jeunes à les faire rencontrer des chefs d'entreprise pour que ces chefs d'entreprise témoignent de leur parcours. Et c'est notamment ce que nous faisons avec des femmes chefs d'entreprise qui vont voir les jeunes et qui leur parlent d'entrepreneuriat au féminin. Objectif rempli pour les organisatrices de cette première, si l'on en croit les informations reçues, par ces futurs chefs d'entreprise. Moi, comme c'est l'immobilier qui m'intéresse, donc en fait, j'ai pu approcher des personnes qui ont investi, qui se sont consacrées à des domaines pas forcément liés à l'immobilier, mais qui ont ces astuces qui peuvent nous faire gagner du temps et ça, c'est toujours bon à prendre. Malgré les difficultés rencontrées pour toute création d'une structure, celles qui ont eu la chance d'assister à cette journée sont reparties remontées et prêtes à entamer leurs actions avec beaucoup plus d'atouts dans leur panier.